Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau haul, nouveau crash test. Aujourd'hui, on va tester la marque Don't Call Me et Jennifer. J'ai trop hâte que vous voyez un petit peu les nouvelles pépites que j'ai trouvées sur leur site. Prince, c'est pas le moment de bouffer mes pinceaux de make-up là. J'en peux plus. À l'époque, ça s'appelait Jennifer et c'est devenu Don't Call Me Jennifer. Et j'ai beaucoup acheté chez eux. Vraiment, depuis le lycée, je consomme Don't Call Me Jennifer. Franchement, j'achetais quasiment tous les mois des vêtements chez eux. J'adorais leur nouvelle collection. Franchement, c'était vraiment... j'adorais. Et après le confinement, j'ai arrêté. Hein. Voilà, avec le confinement, on a un peu... on s'est un peu moins apprêté, etc. Et du coup, j'ai acheté de moins en moins chez eux. Et là, ils m'ont proposé une collaboration pour découvrir un petit peu plus, redécouvrir plutôt leur marque, parce que ça a totalement changé d'univers. Hein. C'est devenu beaucoup plus jeune, beaucoup plus attractif au niveau des prix, etc. Il y a pas mal de promotions. Donc voilà, ouais, j'avais envie de tester, de voir si c'était un petit peu trop... teenagers, où ça pouvait être un peu plus femme. Dans l'ensemble de ce que j'ai vu sur leur site internet, c'est très axé lycée plus, voire même un peu collège parfois, mais c'est souvent axé lycée. Moi j'ai 24 ans, donc ça peut ne pas être mon style, des trucs un petit peu trop enfantins, mais au final j'ai découvert vraiment pas mal de pièces sur leur site internet, des pièces qui font vraiment femme, qui font vraiment stylé sans forcément faire enfantin. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. J'ai déjà tout essayé, les vêtements, je vous ferai des petites incrustations, etc. Alors tout d'abord, j'ai trouvé cette magnifique robe blanche. Faut savoir que quasiment tous les articles que j'ai reçus sont en promotion, donc je vous mettrai dans tous les cas tous les liens en barre d'infos, toutes les infos seront en barre d'infos, vous inquiétez pas. Donc j'ai pris cette magnifique robe blanche qui est vraiment très jolie. J'adore sa coupe, j'adore ce côté un petit peu Bridgerton. Elle est d'une très belle qualité, une petite robe chemise vraiment sympathique, pas trop transparente je crois. Et vraiment j'ai adoré la qualité, la matière, elle est vraiment très bien. Donc ça je peux vous le recommander. J'ai pris à chaque fois en taille M. Prenez votre taille habituelle sur le site de Jennifer. Et ce qui est cool, c'est que voilà, vous pouvez vous faire rembourser, échanger comme vous voulez. Vous avez des magasins un peu partout, donc ça c'est vraiment cool. Et en plus, ils font pas mal de collections, collections capsules avec des influenceurs. J'ai pris quelques pièces de, je crois que c'était Danae dans mes souvenirs. Et ils font pas mal de petites collections, Bob l'éponge, Disney, etc. Et vraiment, ça c'est plutôt pas mal si voilà, vous aimez cet univers-là, des séries, etc. Ils font pas mal de petites collections. Je me suis pris un super ensemble orange tailleur. J'adore moi en ce moment les tailleurs, enfin les robes tailleurs, les robes blazer, etc. J'adore, je trouve ça vraiment magnifique. Et là, ils avaient fait une sublime collection au niveau des tailleurs. Voilà, la qualité est vraiment bien, la couleur est vraiment très jolie. C'est pas un orange dégueulasse saumon. C'est vraiment un très bel orange. La qualité est vraiment très bien. Peut-être la reprendre un petit peu au niveau de la taille parce qu'elle baille un tout petit peu pour moi. Mais sinon, franchement, je recommande. Elle est vraiment d'une très belle qualité. Donc vraiment, ça, je peux vous le conseiller. C'est vraiment très bien. Un autre coup de cœur, c'est ce petit t-shirt-là. Franchement, ça payait pas de mine sur leur site. Mais je trouve que la couleur est vraiment super. C'est un petit côté effet satin. Je trouve ça vraiment trop joli. En plus, tu l'accroches au niveau de ton, autour de ton ventre. Et vraiment, la couleur est trop belle. Le motif est vraiment joli. Pour les brunes surtout. Oh, ça peut vous aller de feu de dieu avec une petite jupe blanche ou un short en jean ou autre. Enfin voilà, ça peut faire soirée à la fois décontractée. Donc ça, je peux vous le conseiller aussi. Je sais pas s'ils le font d'autres couleurs, mais en tout cas, s'ils le font d'autres couleurs, je le prendrai parce que pour une fois que c'est pas trop grand, etc., c'est bien ajusté. Enfin, c'est vraiment pas mal du tout. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. J'ai trouvé cette robe militaire orange grise comme ça, trop jolie. Ça fait peut-être un petit peu teenagers, mais franchement, avec une petite veste perfecto en cuir et tout, franchement, ça peut être plutôt pas mal. Donc voilà, encore une fois, j'ai rien à dire, ça me va. Enfin, c'est pas trop petit, c'est pas trop serré, et je trouve que c'est super joli. Ensuite, un gros coup de cœur pour cette veste simili-cuir. Franchement, je l'adore, elle est trop belle. Les manches sont parfaites, l'intérieur est vraiment bien parce que c'est pas une matière synthétique dégueulasse, c'est une matière un peu... pas suédine, mais un peu... où tu vas pas transpirer dedans, enfin c'est vraiment bien je trouve. Tu peux la mettre soit en robe avec un petit cycliste, soit tu peux la mettre en veste, soit tu peux la mettre en chemise. Franchement j'adore ce genre de petits hauts comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc franchement ouais, je vous la conseille vivement aussi. C'est juste moi qui n'aime pas, sinon la robe en soi elle est vraiment très bien. Je crois que c'était de la collection avec Danae, exactement, voilà. Donc là il y a la petite...
la petite étiquette où il y a marqué Danae. Donc j'ai pris cette robe-là de Danae. J'aime pas trop sur moi. Je trouve que j'aurais dû avoir une petite fente au niveau de la jambe. Ça aurait été un peu plus joli que tout droite. Mais la qualité est vraiment bien. En plus, ce qui est cool, c'est qu'il y a une doublure. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'adorais le col et tout. Mais je pense qu'il aurait fallu découper sur le côté pour avoir un petit peu plus de volume. Oui, je pense que ouais, ça aurait été un petit peu mieux. Une autre robe chemise. J'adore les robes chemises de chez Jennifer parce qu'elles sont vraiment trop trop bien. J'en ai encore hein, que j'ai depuis 10 ans qui sont encore d'actualité, qui sont encore portables entre guillemets. C'est cette robe-là. Elle est vraiment trop jolie. Enfin... En plus, ce qui est cool, c'est qu'elle est un peu plus longue sur la fin. Enfin, vraiment, elle est pas transparente. Elle est super agréable à porter. Vous savez, dans les films, là, quand la dame, elle se réveille du matin, elle prend la chemise de son mec et tout, elle fait des pancakes, etc. Vous voyez ce petit truc-là? Bah, j'ai l'impression que quand je porte ça, je suis dans un film hollywoodien. Genre, vraiment, j'aime trop cette petite robe chemise. Elle est trop mignonne, trop jolie. Donc ça, je peux vous la conseiller. D'une excellente qualité. Vraiment, on dirait vraiment la chemise du mec. Tu sais, le mec d'affaires, là, c'est vraiment ça. Ensuite, j'ai pris l'ensemble. Donc ça, c'est deux pièces qui se vendent séparément. Mais moi, j'ai pris l'ensemble. Attendez, on dirait que je suis au paradis, là. Je vais baisser un petit peu la luminosité. Du coup, j'ai pris deux en la jupe et la veste. Alors malheureusement, c'est un petit peu trop grand pour moi. J'irai peut-être le prendre en taille S. Donc ça, c'est de la gamme de Danae. Donc il y a la jupe en premier lieu qui est vraiment trop mignonne et il y a la veste aussi que l'on peut prendre séparément. Franchement très bonne qualité, moi c'est trop grand en fait pour moi donc c'est vraiment dommage, je vais la prendre en S si ça existe en magasin. J'aime beaucoup en fait cet ensemble là, j'adore la veste un peu crop, même la veste vous pouvez la mettre avec une autre jupe noire, simple, basique, mais l'ensemble je trouve ça fait joli, genre un côté t'es toute noire, un côté t'es toute verte, enfin moi j'adore ça en fait, donc ça je peux vous conseiller aussi, c'est vraiment d'une très bonne qualité, enfin j'ai rien à dire là-dessus, les finitions sont bien, et voilà c'est juste un petit peu trop grand pour moi, mais ça... Ça, j'avais hésité au niveau de la taille, je vous avoue. Mais encore une fois, on peut aller se faire échanger et rembourser très facilement. Alors ça, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Parce que je n'aime pas du tout la couleur. J'aime pas la couleur, mais le style de t-shirt, c'est vraiment mon style de base. Mais là, la couleur a été un petit peu trop collégienne, lycéenne à mon goût. Je sais pas s'ils font d'autres coloris pour celui-là. Mais j'aimais beaucoup en fait la forme, un peu les petits froncés comme ça ici. J'aimais beaucoup... Donc ça, si je le retrouve dans une autre couleur, je le prendrais parce que j'aimais beaucoup. Mais ouais, j'ai pas compris pourquoi j'ai pris rose clair comme ça. À la caméra, ça paraît un peu plus joli, mais en vrai, c'est pas... C'est un peu un rose fluo et je suis pas très très fan. Là, j'ai pris de la gamme Disney. Je trouvais ça trop joli, ces couleurs. C'est violet, rose, jaune. J'adore en fait, j'adore. Et derrière, surtout derrière, les gars... Il y a Mickey et tout. Franchement, ils font des collections Disney. C'est vraiment beau. Ils avaient fait une collection avec Daisy, je me souviens, à l'époque. J'avais quasiment tout acheté. J'ai acheté, je crois, la veste en jean Mickey, là, qui était trop belle. Je l'ai acheté. Franchement, j'ai trop kiffé. Donc ça, vraiment, n'hésitez pas à regarder les collections capsules qu'ils font. C'est vraiment plutôt pas mal. Les collections en collaboration avec des marques, des influenceurs. Vraiment, à chaque fois, c'est des pépites. On peut trouver, en tout cas, des pépites. Ensuite, j'ai craqué mon slip. Il fait 45 000 degrés dehors. Bon, là, actuellement, il fait 17 degrés, mais bon, voilà. Mais je me suis dit, putain, j'adore cette veste. J'ai pris cette veste-là, en effet, un petit peu poil. Alors, attendez, je sais pas si vous allez voir la... Je pense que vous allez capter un petit peu la matière. Vraiment, j'adore. Il y a des poches. Les poches, pour moi, c'est primordial. Il y a des poches de partout. Très agréable, encore une fois. Très jolie. C'est très nude. C'est très... Ça va bien au teint. Ah, j'aime trop cette veste. Elle est vraiment trop trop belle, d'une excellente qualité. Elle est un petit peu lourde en plus, hein, donc ça fait vraiment très quali. Ensuite, ça, je pense que vous allez kiffer parce que c'est la mode en ce moment. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui en portent et dont moi, d'ailleurs, j'en porte. J'adore ça. C'est l'effet un petit peu... voilà, je pense que vous voyez, c'est trop... Trop beau. Ce vert est magnifique. Il va au blond comme au brune comme au châtain. Il va à tout le monde ce vert, vraiment. Pourtant le vert c'est compliqué à porter, hein. Mais celui-ci il est vraiment beau. Il y a des poches d'une excellente qualité. Vraiment c'est genre le Bombers de mes rêves pour moi parce qu'il est mout à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez, il est tout doux à l'intérieur. Il est épais, il est... Non, franchement, il est parfait. Donc ça, j'adore, avec une petite casquette là, un petit peu style baseball et tout. Franchement, je trouve ça trop joli. Ensuite, dans les Bombers, alors là, j'ai craqué mon slip. Là, ça peut ne pas plaire à tout le monde, je le conçois, parce que c'est très bizarre, entre guillemets. Mais moi, j'adore. Tout ce qui est bizarre, j'adore. J'ai pris un Bombers comme ceci, avec un papillon rose,
L'intérieur est comme ceci, très moelleux, c'est très... Oh, j'adore cette matière, les manches vertes avec des papillons. Ça peut ne pas plaire à tout le monde, c'est très osé, mais franchement, avec un jean ou je sais pas quoi... Moi, j'adore ce genre de veste, je les trouve vraiment trop quali. En plus, c'est des vestes qui tiennent assez chaud, hein, on va pas se mentir aussi, c'est assez épais. Et ça, franchement, j'adhère, franchement, je... Trop beau. Ensuite, alors ça, j'ai pas trop kiffé la... Le short, ouais, j'ai pas kiffé spécialement, c'était un short noir. Je voulais tester un petit peu leur short parce que tous mes shorts viennent de cette marque-là, depuis le lycée. Ils tiennent très très bien, mais là j'aime pas aimer en fait la coupe, enfin j'ai pas trop aimé. Du coup je l'ai pris en taille 38. C'est juste moi qui n'aime pas, mais franchement la qualité est bien, et c'est pas ras des fesses, enfin vraiment on est très à l'aise là-dedans, mais c'est juste moi qui n'aime pas trop la coupe. Mais par contre j'ai trouvé un autre short, il est vraiment génial celui-là, c'est un style mom, ça je vais me le prendre dans d'autres coloris parce que vraiment il est excellent, il est très bien. Là au niveau de la taille c'est parfait, au niveau des fesses c'est parfait, il rentre pas dans les fesses ni dans la nénette, y a rien, franchement il est vraiment très bien. Taille 38 encore une fois, franchement il est parfait. J'ai pris ensuite une autre chemise, alors je sais pas ce qui s'est passé avec moi avec les chemises, hein. J'adore les chemises, je trouve ça très joli, très classe. Cette chemise est fait lin, il y a du lin à l'intérieur exactement, il y a 25% de lin, ça se voit, de toute façon ça se sent. C'est une très belle chemise comme ceci, elle est vraiment incroyable. Très facile à porter, voilà, vous pouvez mettre avec n'importe quoi, un jean ou vous pouvez la nouer. Franchement, très belle chemise. La matière est vraiment convenable, on dirait vraiment du lin. J'ai pris ensuite cette jupe blanche, j'en avais absolument pas des jupes blanches comme ça. Du coup, j'ai pris celle-ci sur le site de Jennifer en taille S, et j'ai bien fait de la prendre en taille S, comme ça, ça me va un petit peu mieux au niveau de la taille. Très jolie, pas transparente du tout, vous pouvez mettre avec n'importe quoi, j'avais mis avec mon haut bleu je crois, vous pouvez mettre avec un pull vous savez pour avoir un petit effet US etc, franchement c'est, je l'aime beaucoup cette jupe, elle est trop mignonne. Et enfin j'ai pris un bijou de ventre, alors je savais pas du tout que ça existait, mais moi j'adore ce genre de conneries. En fait c'est un petit bijou, vous allez rien voir à la caméra, c'est un bijou en fait que tu mets autour du ventre et que tu mets en fait au niveau de tes abdos, et comme ça quand tu as un petit crop ou autre, bah t'as un petit bijou de ventre. Et en fait je vais essayer de vous montrer bien à la caméra, je sais pas si vous allez voir, mais en fait c'est des tout petits cœurs et je trouve ça trop mignon, ils font avec des cœurs en plusieurs couleurs comme là par exemple. Donc dans l'ensemble je suis vraiment satisfaite du résultat, franchement je suis super contente, j'avais quelques petits a priori, je me disais ouais ça va être un petit peu trop enfantin etc. Au final quand tu cherches bien, bah tu as vraiment des belles pépites, des belles chemises, des beaux bombers, des belles vestes. Le short en jean franchement il est super, c'est vraiment un petit coup de cœur. Ils font pas mal de belles robes aussi de haut. Qui font à la fois femmes et qui peuvent aussi aller au niveau, enfin pour les lycéennes. Donc franchement, je suis assez contente. Je vous mettrai donc tous les liens en barre d'informations. Voilà, n'hésitez pas à regarder, à checker. Ils font pas mal de promotions en ce moment en plus. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.